Bonjour. Bonjour. Ça va, je suis Muriel Mayette, enchantée. Enchantée. Comme un oiseau sur la branche, elle regarde, observe. Muriel Mayette prend possession des lieux, intimidée de tous les rencontrer. Elle va continuer à écrire l'histoire de cette maison, à donner une direction à l'ensemble. C'est important de s'imprégner d'abord, de ne pas être en surréactivité. Au contraire, moi je suis spectateur de l'équipe, du théâtre, de son histoire. Comédienne, metteur en scène, elle va donc apporter une nouvelle énergie, son énergie. On a toute la mémoire des spectacles, mais ça manque de photos d'acteurs. On devrait avoir leur visage, tous ceux qu'on comptait dans ces murs. Diriger, pour moi, c'est un théâtre, c'est dire on va aller par là, on va viser ça, et tout le monde y va. C'est comme de monter un spectacle. Sur ses étagères, sa bibliothèque de théâtre personnelle, au milieu des livres, des textes, des auteurs, elle se sent chez elle. Pour moi, le théâtre, ça célèbre tellement l'humain, le présent, la puissance des mots, que par moments, dans une journée, il faut aussi se remplir. Tu ne peux pas être que dans un sens, dans l'énergie émotionnelle. Cette année, c'est une programmation de transition qui l'attend, à laquelle elle adhère sans être déstabilisée. Il n'y a pas vraiment d'hésitation avec elle. Elle observe, elle décide. Et c'est très agréable. Je crois que c'est un théâtre, comme toute entreprise, ça a besoin d'une ligne pour que tout le monde court dans le même sens. Muriel Mayette n'oublie pas qu'elle est comédienne. Elle jouera dans Les parents terribles de Cocteau avec Charles Berling. Elle commencera donc la saison sur les planches.